leur manque, man. Tu parles dans mes rédacs, je m'inspire souvent de moi. Donnez-moi du MC, donnez-moi ces petits tafions. C'est toujours à l'homme. Un chien de casse en laisse. C'est toujours à l'homme. Viens pas instaurer une mort. Tu parles clash dans mes rédacs, je m'inspire souvent de moi. Donnez-moi du MC, donnez-moi ces petits tafions. Bande de vendus. Qui est chargé dans le rap, merde? Chantez la rue, on est en manque, man. Yeah, salut à tous les internautes. C'est Alonso des Psychiatres de la Rime. Je rappe avec mon groupe depuis 1995. Voilà, le groupe c'est Psychiatre de la Rime. On a signé en 98 dans le label La Cosca. C'est Akhenaton qui a monté ça. En 2002, notre premier album il est sorti. Bloc Party. En 2005, le second il est sorti. Enfant de la Lune. Juste après, en 2007, il y a eu l'album du grand frère Soprano qui est sorti, Puisqu'il faut vivre. Et aujourd'hui, on revient le 26 mai avec le troisième album donc, qui s'appelle Les Cités d'Or. Voilà. Mais dans quel état d'esprit on a abordé Les Cités d'Or? Franchement, comparé aux deux autres, on l'a abordé vraiment sereinement. C'est-à-dire que, bon, déjà le premier album, ceux qui font de la musique, ils savent très très bien que tu as de zéro à je sais pas combien d'âge pour le faire. Donc dans le premier album, tu mets toute ton énergie, tu mets tout ce que tu as emmagasiné, ça fait 10 ans. Donc il n'est pas si compliqué à faire, c'est juste après la critique, tu vois. Le deuxième album, les gens ils attendent la confirmation, donc il est un peu plus difficile, tu as moins de temps. Et en plus, nous, c'était Enfant de la Lune, on l'a fait dans une période où on était vraiment mal dans notre vie, tu vois. Donc il a été un peu compliqué à réaliser, c'est pour ça qu'on s'est isolé au Maroc pour le faire. Tandis que là, le troisième, machallah, on n'a pas eu de pression, on l'a fait sereinement. Les couplets ils se sont enchaînés souples, les thèmes aussi. Et voilà, on est content de ce qu'on a fait et on espère que nos supporters, inchallah, ils vont apprécier le travail. C'est quoi? Je crois que le morceau dont tu parles, il s'appelle Humeur du jour. T'as vu, il porte bien son nom déjà, pour commencer. Mais c'est pas... La question, en fait, elle se pose pas comme ça. Est-ce que tu penses que tu vas arrêter ou ça va, il y a le moral qui va mieux? C'est plus un constat de, on va dire, 12, 13, 14 ans de rap. Et à l'intérieur de ce milieu-là, peut-être que les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Il y a beaucoup de mensonges dites, que ce soit par rapport aux médias, ou aux artistes, ou aux maisons de disques, ou à ce que tu veux. Mais pas tout est vrai, t'as vu. Et il y a des fois, ça prend au cœur, t'as vu. Ça prend au cœur parce que tu es un passionné, toi tu es rentré par passion, et on se rend compte qu'il y a des gens, pour réussir, ben, ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à dire beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Et ça a été un ras-le-bol. Donc j'ai fait ce morceau. Aujourd'hui, on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, on est là et on verra. Ben, si tout se passe bien, Inch'Allah, donc mon album solo il doit arriver courant de l'année prochaine, c'est-à-dire 2009, parce que mon groupe il sort en mai. Et vous savez très très bien, pour les gens qui connaissent Psychiatre, qu'on fait beaucoup de concerts. Donc là, on est en tournée des festivals jusqu'en fin juillet. Et normalement, début octobre, on va rentrer en période de tournée des villes de France, ainsi que Suisse, Belgique, Allemagne et tout. Donc on va énormément tourner. Et moi, pendant ce temps-là, et ça a déjà même commencé, je suis en train d'écrire mon album. Donc Inch'Allah, il va venir pour le début de l'année prochaine. DSE Musique, on a déjà commencé l'année là en 2008 avec un DVD qui est sorti le 31 mars d'un live qu'on a fait à La Franchie. Il y a un documentaire à l'intérieur, il y a un inédit, il y a trois clips. Mais je crois que la priorité du label à l'heure où je te parle, c'est la sortie de la ligne 26. Donc je sais pas, tu appelles ça un street album, un album, ce que tu veux. Pour moi c'est un CD, il va sortir en octobre, Inch'Allah. L'album il s'appelle Rockstar Attitude. Ils s'exprimeront sur internet si vous voulez bien les accueillir pour vous expliquer un peu le concept. Et donc ça sort normalement ou le 6 octobre ou le 13 octobre. C'est la priorité de TSE Musique. Voilà, ou sinon il y a la salle équipe qui bosse sur leurs projets respectifs. Tonino aussi
va commencer à faire beaucoup d'apparitions seul parce qu'il y a des projets aussi qui arrivent pour sa part. Kara aussi, Joker aussi, leur DJ aussi. Il est en plein mixtape qui s'appelle 13KO. Ça fait un moment qu'on en parle. Ça va arriver bientôt, Inch'Allah. Mais voilà, la vraie priorité et la priorité la plus importante dans les mois à venir, c'est celle de l'In26. Ah ouais, il y en a beaucoup, bien sûr. Un mec, par exemple, comme Insize, c'est un mec que j'aime énormément. Après, il y a un mec aussi qui s'appelle Ghost Dog. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de talent, j'écoute beaucoup de trucs. T'as vu, moi je suis des quartiers nord, donc il y a beaucoup de choses qui viennent dans mes oreilles. Du Saliente, il y a Escrime qui vont sortir leur album dans pas longtemps. Il y a plein de groupes à la Castellane, il y a plein de groupes à Caliste. Tu vois, il y a plein de groupes dans le secteur 13, 14e arrondissement, Black Marché, Puissance Nord. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'aime et t'as vu, les noms, ils ne viennent pas là, mais il y en a énormément. Le troisième album, est-ce qu'on est essoufflé ou pas? Bon, déjà, on va attendre le 26. Il sort le 26. Et Inch'Allah, si on se recroise, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que je ne pense pas être la personne, la bonne personne pour juger. J'ai tellement la tête dans le guidon. Tu vois, c'est mon album. Moi, je ne peux pas te dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai donné le cœur. Tu vois, que mes frères, on a mis tout notre punch, tout ce qu'on a en nous pour faire cet album. Et comme je dis, tu vois, on n'a pas l'habitude de dire ça va être du lourd, ça va être, tu vois, c'est pas notre langage. Donc, comme je t'ai dit, Inch'Allah, que déjà nos supporters, les gens qui nous connaissent depuis le début, Inch'Allah, ils vont aimer. Et après le reste, on va voir les critiques. Mais je sais pas, essoufflé, je sais pas, mon frère, j'ai 25 ans. Dis-moi si tu me sens essoufflé, je sais pas. Voilà. Petit big up pour zone13.fr, la famille, c'est l'équipe, c'est Alonso des Psychiatres de la Rive. Inch'Allah, je me répète, mais c'est important, il y a l'album de mon groupe qui sort le 26 mai. Ce qui concerne TSE Musique, il y a un DVD qui est toujours dans les bacs, dans la boutique tsemusique.fr. Et voilà, il y a la ligne 26 qui arrive bientôt. Dédicace à tous les groupes de Marseille, tous les groupes des provinces, tous les groupes de la région parisienne, tous les mecs de quartier, c'est Alonso, merci. Ok, zone 13, tu sais, il n'en est plus question de laisser les miettes au cafard. Moi j'ai pris le large sans rame, j'ai rangé les larmes, vendu la peur aux femmes. Et j'ai loué un peu de barbarie à Conan. Je mange pas le malabar comme un puissant nerveux. Je te mets l'art de psychiatre, transonneur, je suis le lanceur. Qui est l'MC en bois qui veut que je fasse de lui un meuble pour le musée des pêcheurs? En ce moment je suis à la découpe, papé. L'exposition de mon groupe dérange les troupes. Au démarrage je te fais un trou et brandis la coupe. Poussez-vous qu'atterrisse la soucoupe, que les poufs se touchent, y'a plus rien pour vous, papé. Je réouvre les croûtes, t'envoies du sel, du mazout. Jette l'allumette, boum, je chante Beyrouth. Comme nous challenge sur la route, tu veux une sale équipe? Je l'ai déjà dit, prends la ligne 26, demande à Alonso derrière le grillage anthracite. Dis-toi major qu'il faut faire vite. Y'a des réseaux qui font l'euro, qui pourront sortir mon disque R. Désolé.